Hier soir, la ville de Narbonne a souhaité mettre à l'honneur un champion hors norme, Farrell Akwan, qui a remporté le titre de champion du monde de savate boxe française. Des années, j'ai commencé le sport à l'âge de 5 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de disciplines, j'ai fait du karaté où j'ai été quand même au top niveau. Et puis, donc, ça fait les années de travail. Et là, ça fait juste un an et demi que j'ai commencé à faire de la savate. Et en un an et demi, on a un titre comme champion du monde, c'est vraiment merveilleux. J'ai rencontré le président du Narbonne Savate Méditerranée. Donc on a fait une entente avec mon association à moi, parce que j'ai une association qui aide les jeunes des quartiers. Donc on a fait une entente que ses élèves pouvaient s'entraîner dans mon club et mes élèves pouvaient s'entraîner dans son club. Et puis on s'est dit pourquoi pas essayer la compétition. Donc je me suis mis à la compétition, j'ai fait le championnat de France où j'ai fini vice-champion de France. Après nous sommes allés en Croatie où j'ai fini premier de ma poule et puis en Chine. Donc le club Narbonne Méditerranée, c'est un très bon club, on a une bonne ambiance, une famille. Ça va avec mes valeurs, c'est pour ça que je me suis bien entendu avec le président Thierry Bruel et mes coachs et très satisfait d'avoir connu cette équipe, quoi. La deuxième année d'existence, on a deux titres de vice-champion et un titre de champion du monde, c'est merveilleux. Ah ben, une grosse émotion. Bah, déjà la préparation était dure parce que bon, en plus c'est un poids lourd, donc c'est vrai que c'était assez dur. Après l'émotion était très forte hein, pour en Chine. Et surtout que c'était un combat très dur. Un petit peu indécis sur la fin, donc c'était un peu stressant, même si on a un petit avantage. On n'est pas juge, donc on a toujours un petit stress. Très heureuse d'avoir un champion du monde à Narbonne. Je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. La ville de Narbonne a beaucoup aidé Farrell pour avoir des salles, pour pouvoir donner des cours, pour pouvoir s'entraîner. Donc je suis ravie d'avoir Farrell champion du monde à Narbonne.